Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. J'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui vous permettra simplement d'installer la dernière version de WatchOS 9 sur un Apple Watch en version bêta. Donc j'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Honnêtement, il y a pas mal de fonctionnalités super intéressantes. Donc je suis convaincu que oui, et sans plus tarder, on commence tout de suite les explications. Allez, c'est parti! Me voici désormais pour la partie un petit peu plus pratique de la vidéo et comme je vous l'ai dit un instant, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont super intéressantes sur la version bêta de WatchOS 9. Ça peut être également un bon moyen de découvrir cette nouvelle version qui est selon moi l'une des plus intéressantes de toutes les versions de WatchOS qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Donc en tout cas par rapport à ce tuto, vous allez voir, il est globalement extrêmement simple à suivre et vous aurez la possibilité de bien avoir la version bêta en l'espace de quelques étapes extrêmement simples. Donc dans un premier temps, vous allez simplement devoir prendre l'iPhone qui est directement relié à l'Apple Watch que vous avez et ensuite vous allez vous rendre sur le site Beta Profile. Maintenant que vous serez bien ici, vous allez donc naviguer sur la page jusqu'à trouver la version bêta de WatchOS 9. Lorsque je fais la vidéo, on est actuellement sur la deuxième version bêta, mais lorsque vous la regarderez, peut-être qu'il y aura éventuellement une troisième version, une quatrième version, etc. Autrement dit, plus la version est haute et plus certains bugs ont été corrigés. À partir de ce moment, vous allez donc désormais bien obtenir le profil bêta de la version WatchOS 9 et lorsque vous l'aurez bien directement sur votre appareil, vous aurez la possibilité de vous rendre dans les réglages de l'iPhone et ensuite dans les profils téléchargés et vous allez retrouver donc la version iOS 16 dont vous aurez besoin pour avoir cette version également de WatchOS 9 en bêta, mais vous aurez aussi directement la version WatchOS 9 Beta Profile pour les développeurs. Vous aurez donc la possibilité de bien l'obtenir directement sur l'Apple Watch que vous avez. Vous allez voir que vous aurez la possibilité de la redémarrer et c'est exactement ce que vous allez faire. Et à partir de ce moment, l'Apple Watch va s'éteindre, se relancer et vous aurez bien la possibilité d'installer directement la version WatchOS 9 sur l'Apple Watch. On est d'accord, c'est une chose plutôt intéressante et extrêmement simple à faire. Et comme je vous l'ai dit aussi, la version bêta est déjà assez intéressante, il y a peu de bugs, il y en a tout de même certains, je préfère vous le dire, mais en tout cas très prochainement sur la chaîne, nous ferons également une vidéo avec les meilleures fonctionnalités de la version WatchOS 9 en version bêta, donc vous allez voir évidemment de quoi cette montre est capable avec cette nouvelle version. Bon maintenant, j'espère évidemment que cette vidéo là en ma compagnie vous aura plu, mais avant de vous quitter, j'aurais aimé vous parler d'un outil assez intéressant qui peut s'avérer pratique au quotidien. Et cet outil tout simplement Wondershare Dr. Phone, le lien pour l'obtenir sera dans la description de la vidéo et il est compatible sur Windows et sur Mac. Cet outil vous permet de faire pas mal de choses avec un iPhone, un iPad et même une Apple Watch, comme pourquoi pas le fait de changer de localisation, de transférer des données d'un téléphone à un autre, mais aussi de quitter la version bêta de iOS 16 si vous le souhaitez, ou même pourquoi pas de retirer le code de verrouillage d'un iPhone, mais aussi le code de temps d'écran, le compte iCloud et plein d'autres choses que je vous laisserai directement découvrir de votre côté. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Bon maintenant, j'espère donc que ce tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est bien entendu présent pour cela. Et bon maintenant, je vous invite aussi à nous laisser un maximum de pouces bleus. C'est la petite récompense qui nous fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéo sur la chaîne. Bon maintenant, je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou. Allez, bye tout le monde.